Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Deux prisonniers qui étaient fermés dans le garde à vue commissariat Ville Gonaïve l'ont arrivé sauvé dans la nuit de lundi 22 pour ouvrir mardi 23 mars 2021. Prisonnier Sayo t'a démonté une fenêtre qui a fait forger qui n'a rentré commissariat et puis là, il y a en bas, sans pièces, mon n'a pas trivé, remarqué ou tap sauvé. N'a faut qu'on ait toujours un policier qui n'a barrière commissariat Ville Gonaïve l'ont, qui pas trop loin, fenêtre prisonnier au passé pour sauver. Hein. Information, ça a fait qu'on ait gagné un policier qui était fermé dans le garde à vue commissariat Ville Gonaïve l'ont, qui t'a allé parmi moun qui sauvé. Aucune information pour qu'on disponible, bon côté responsable commissariat Ville Gonaïve l'ont, sous identité de prévenu sa yo qui était fermé dans le garde à vue commissariat Gonaïve l'ont, gagné une enquête qui déjà l'ouvri pour qu'on ait dans qui circonstance évasion ça arrive fait dans commissariat police Ville Gonaïve l'ont. Responsable Médadoua moun yo dans Ville Gonaïve dénonce c'est irresponsabilité autorité la police dans évasion qui fait côté deux prévenus qui sauvé dans commissariat police Ville Gonaïve l'ont dans la nuit le 10 22 pour ouvrir mardi 23 mars 2021. Maître Michel Ogile déclaré c'est un théâtre qui t'a joué dans commissariat Ville Gonaïve l'ont. Maître Michel Ogile al plus loin pour le dire gain plus que deux monde qui t'a sauvé qui était dans garde à vie. Défenseur de Mounan dit qu'il y a une information, c'est Mounan qui impliqué dans le kidnapping qui arrivait quitter le commissariat Ville Gonaïve l'an dans la nuit 22 pour ouvrir 23 mars 2021. Nous parlons vite autant des déclarations, Maître Michel Dorgile. Maître Edouard Jumain était touché par le théâtre Sahal, que nous le théâtre, n'a pas beaucoup de raisons. Dans minuit 10, il était comme ça, côté que nous avons des informations, il y a un événement qui a passé dans le commissariat Toussaint Louverture de Gonaïve. Et les gens qui ont contacté nous, ils ont des bonnes informations bien. Et ils disent nous, devant eux-mêmes, ils ont ouais, 5 personnes sortis devant eux. Et il y a des gens qui étaient dans la zone de Madankouloa, ils ont fait jour, ils ont fait une enquête, qui ont révélé nouvellement vrai, qui ont ouais, moun ap sorti. Maintenant, nous avons 4 personnes encore qui nous joignent, mais qui fait nous comprendre que son coup de théâtre. Et le panneau c'est trop facile en dans le commissariat de l'Université de Gonaïve qui gagne des policiers là-dedans et nous connaissons pays dans une situation catastrophique pour les gens insécurité enragée chaque jour dans le pays pour nous de ta livrer un commissariat comme ça jusqu'à ce que on gagne plus que 9 monde qui était en dans et garde à vue dans cellule qui était là qui dit au casser là je ne moi ainsi on fait monter la rigueur en bas on sait monde qui prend et parachute pour descendre, et puis, ils sont sortis sans inquiétude dans la cour commissariat, ouais, jusqu'à ce qu'ils prennent la rue, et par la suite, la police va réagir, pendant la police a tiré pour le courir des trois grenades encore, qui sauvent encore, la police pas arrivé qu'un béyon, dans quatre autres mounes encore, que information que nous avons gagné, fait nous comprendre qu'ils deviennent saucis encore. Et deux mounes passés dans la place bouteille, t'as gagné deux autres qui courent, mais ils font zone place d'Ambouyo, la police même t'a aussi repoussé eux, pour le commandant de Kakembe là-dedans, il n'y a pas Kakembe là-dedans. Ça dit pour nous-mêmes, qu'on défend le droit de monde, en pays d'Haïti, que le pays a les livrer là, avec la médiocrité, dans tout sens, ou ces délinquances politiques qui a chambardé nous là, qui permettent que chaque côté d'un pays a un théâtre, ou gagne prison, quoi des bouquets, qui cassé, côté de la gagne monde, chaque fois que nous gagne monde, pas qui dans prison, soit qui dans le cadre à vue, eh bien, il y a besoin de libérer, il y a utilisé toute façon, il y a voulu, pour être capable de libérer eux sans inquiétude. Mais maintenant, est-ce que nous avons idée de monde qui sauve eux, nous avons quelque identité de monde qui était dans cette cellule? Nous avons été en fond passé dans le commissariat et nous avons compris la tension. Nous dit non, il faut qu'on mesure pour être capable de partager avec nous, nous n'avons pas un problème. Nous avons pour nous retourner encore. Et nous besoin yo parce que nous avons des notes que nous allons faire sortir sur ça, mais nous besoin tendre deux mots dans la bouche responsable dans le commissariat de l'Université de Gonaïve parce que nous voyons complètement impossible pour gagner un théâtre comme ça, surtout dans le contexte politique, côté où il y a une insécurité enragée, où il y a un paquet de gros poissons fragiles qui veulent sauver comme ça. Tu as une information qui dit que tu as un prisonnier qui était dans le cabinet d'instruction, Maître Denis,
qui était fermé dans le commissariat pour sécurité. Nous avons information ça qui qu'on a habitué participer dans l'action kidnapping. Nous avons information sur plusieurs là-dedans yo comme monde fragile. OK, côté yo gain gros dossier sous doyo qui était dans garde à vue. Malheureusement, les monde ça yo toujours arrivé sorti sans problème. Et jusqu'à présent, on a fait enquête, nous beaucoup à parler trop sous lui, pas avant que nous finissions parler avec le responsable commissariat lui-même, et c'est le ça, mais d'adroit, je mets pas le souci, note lui-même qu'il faut sortir sous ça. Nous soutenons les déclarations, responsable, mais d'adroit, mon nom, dans la ville de Gonaïve, maître Michel Dorgile. Nous pouvons aller dans Balatibonite, là. Jean Saté annoncé, tout le monde dans CEMAC, levé joint dans Caoutchou lui-même, dans plusieurs rues, dans mitan ville CEMAC, parmi eux, rue Christophe, qui logé en pile bureau l'État. Mouvement sa fête pour rappeler Premier ministre haïtien Joseph Jout, moun CEMAC pap kite sa s'il pas tourné sous décision l'te prend pour contenir pas débarquer sous waf CEMAC là. Protestateur yo fait qu'on est-ce que gen un plan qui gagne pour mener moun CEMAC baïa kidnapper yo. Nous pral invite autant dans reportage à collaborateur nous 1100 Madeus. Dans l'idée pour forcer Premier ministre de facto Joseph Jout tourner sous décision l'été prend pour empêcher conteneur débarquer sous waf CEMAC depuis bien bonnet matin caoutchouc lui met devant douane APL mairie ou AVCT la cause bio sa yo rete fermé en bas cadenas protestateur qui lancé en pile vieille parole contre autorité de facto dans Port-au-Prince yo dit est-ce que au pas ça qui a passé dans Port-au-Prince pour y demander yo al dédouaner conteneur embagé nèg exam la gueule y a de courir assassiner mais se faire kidnapper moun voler jout ça va passer nous même CEMAC qu'on a boulet tout va tourner sous décision pas qui kidnapper CEMAC voler gueule moi mon jout qui te doit non qui te conteneur rete sous force CEMAC jout nous prenons décision jout n'est pas naïf n'est CEMAC n'est ni à quoi tout prenons décision voler conteneur voler voler décision je dis à nous dans la rue là vous expliquez tout autant que PM comédien jout décision en pas ne s'est pas retourné sous décision n'a bloqué CEMAC et ça c'est trop quête là change à derrière la décision ça me pense tout le monde CEMAC yo vive de conteneur l'aime si vive de conteneur c'est ça si machine derrière l'église les conteneurs yo descend là yo jeune boîte yo acheté je dis là n'yo prend tout bagage yo pote monter dans trésor public et yo pas jamais voyer en rien tourner CEMAC sous forme de projet je dis là même PM jout ça le conteneur il dit que c'est Port-au-Prince qu'elle parle avec eux pour qu'elle renforce le kidnapping. Je dis à nous faire des têtes, nous n'en arrivons pas là. Tout autant que joute PM comédien, par retourner sous décision là, c'est Mac à bloc. Ça c'est pour qu'elle passe en guerre. Jeune garçon, c'est dans l'église qui fait vie. Quand il y a l'enfermé contre le CEMAC, qui va le voler, le voler, le kidnapping. Nous disons non à PM Jout. Nous parlons de PM Jout, vagabond, vous joutez là. Nous disons non, il faut aller tenir sur la décision. Tout le monde va aller tenir sur la CEMAC qui n'a pas bouffé. C'est la bloquée, ok? Net, c'est la bloquée, frère. N'a pas le droit. Et puis, il faut le mot. Cette fois ici, le grenadier à l'assaut, ça qui vous a fait. Débadè, broker, timachan, ak responsable conteneur qui te joun support en pile moun nan population, kwaze machine sou route nationale numéro 1, qui te oblige idmon nan commissariat CEMAC, faire intervention sou route la. Pendant yo mandé, premier ministre de facto Joseph Jout, pressé, tourne sous vieux décision li te prend, pour plonger malere nan plus misère. Sinon, yap chaviré CEMAC, kont pouvoir de facto en place là. Merci en pile 1100 Madeus. Plusieurs élèves qui sortent dans différents lycées dans ville Gonaïve en protester. Journée mardi 23 mars là contre responsable yo qui changer programme yo pendant yo pour rejoindre un professeur pour quelques matières. Yo dit qui priorité pour examen officiel yo. Élèves lycée ça yo fait qu'on est yo pour capable à le composer parce que jusqu'à présent professeur qui vini dans lycée yo c'est sous matière traditionnelle yo y a travail qui donc élèves ça yo dit pas capable subir épreuve yo année ça. Nous pas l'inviter autant de quelques élèves dans plusieurs lycées qui gagnent dans ville Gonaïve. Mouvement qui s'allie, nous connaît très bien gagner deux systèmes en Haïti que yo voulait proposer nous. Premier système dans l'ité nouveau secondaire et traditionnel, mais ça fait des temps côté que nous jouons tweet qui sorti qui dit que yo fini avec question
traditionnel. Et nous-mêmes dans le lycée, nous avons une situation cruciale que nous avons subie. Nous ne pouvons pas entrer là-dedans vraiment vrai. Pour nous entrer là-dedans, il faut des matériels pédagogiques qui sont nécessaires pour nous entrer là-dedans. Je dis que nous avons fait un nouveau secondaire. Nouveau secondaire, nous avons 4 filières là-dedans, qui sont SMP, SVT, LLA, SES. Mais dans le lycée, nous avons c'est SVT, SMP que nous avons fait. Mais nous comprenons directement, il y a des matières qui sont dans SMP, des matières qui sont dans SVT, il y a priori dans tout examen. Et nous allons proposer le 26 juillet, l'école ouvre à partir de 20 mois de novembre, et nous avons mois de février que nous pas fonctionner, ça veut dire nous passer là quand nous. Si journée aujourd'hui nous dans mois de mars, nous pas prendre congé et nous pas jamais connait qui ça n'a fait dans moment examen. Donc nous même nous ta rien connait qui ça n'a fait et c'est pour ça nous sous place là jeudi pour nous capable expliquer situation pour nous donner une dernière réponse. Bon matière qui prioritaire, par exemple nous gain mécanique, nous gain géologie, mécanique dans physique là, nous gain géologie dans biologie. Donc qui nous pas jamais un professeur vient dispenser comme ça. Statistique qui dans mathématiques avec et arithmétique dans mathématiques, nous pas joindre un professeur ça. Et méthode pédagogique que professeur qu'on utilise dans traditionnel là, complètement différent par rapport avec nouveau secondaire là. Donc nous censé bouler si n'accepter que dans logique nouveau secondaire là. Il va trop tard pour nous. Bon, question trop tard là, nous comprenons très bien, nous qu'a dit trop tard, mais il va jamais trop tard pour faire le bien. Directement, nous connaissons ces élèves lycée, et si nous passons dans la voie formelle, dans la voie directe, dans la voie légale, là, nous prenons la presse. Nous avons déjà fait l'autre suivi, yo, mais je dis, nous prenons la presse. Nous connaissons que nous avons dit trop tard pour nous. Mais c'est vrai, l'État a toujours dit qu'il est trop tard pour nous. Je camarade là, ce dit là, c'est que nous pas structuré pour ça. Nouveau secondaire là, c'est un bel système que lié. Nous avons pile avantage là-dedans. C'est un système qui aide nous à avancer mieux, qui aide nous à choisir mieux. Mais le problème, non, c'est que nous n'avons pas de base pour ça. Parce que nous ne pouvons pas dire comme ça que nous faisons 3 ans, nous ne faisons pas de choses. Et puis nous faisons un filo pour dire comme ça que nous avons fait. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas faire, non, mais c'est que nous n'avons pas de structure pour ça. Imaginez nous même retournons, nous n'est pas bon. Parce que nous connaissons 3 mois retour que nous avons fait. Même nous faisons à cause d'insécurité, quand du pays, à tout bas, nous n'avons pas de cause que nous n'avons pas de bonne éducation, tout bon vrai. Nous faisons encore, nous voyons que l'école là, c'est par épisode que lié. On l'a à l'école, on l'a des pagues à l'école, paye à instable. Ça, tout les agit sur nous-mêmes, tout parce que nous-mêmes n'avons étudié. Au fond de nous-mêmes, nous venons nous mal. Qui fait que, si je nous disons ça que, nous avons fait nouveau secondaire, c'est pas fait nous pas ta faire. Mais nous pas structuré pour ça. Nous pas une base pour ça. Manger à bon, c'est vrai. Les goûts, c'est vrai. Mais nous pas une dent pour ça. Nous pas manger tout bon. Avant tout, faut nous pas oublier que lycéen toujours à travailler. Si on va être nouveau secondaire, nous t'a fait et nous t'a pas fait. Mais il y a un peu de structure qui va gagner dans le domaine professeur. Il y a un peu de professeur qui va gagner. Il y a un peu de professeur qui va recycler. Il y a un pile d'autres problèmes qui gagnent. C'est que depuis le bail traditionnel, là, n'a prêt pour lui. Parce que nouveau secondaire, qui différence, il gagne, c'est à jour le faire. Mais même ça, professeur fait avant, dans le moment-là, est traditionnel, en pile fait. Qui je comprends, nous fait traditionnel pour nous composer dans le nouveau secondaire. C'est que nous baillons les deux, mais si Dieu veut, pour nous donner une réponse. Nous sommes tenus déclarations, quelques élèves dans différents lycées qui gagnent dans la ville Gonaïve. N'a pas entré dans l'autre point de dominant actualité. Après notre ambassade de pays États-Unis gagné dans le pays d'Haïti qui qualifiait Fantôme 609 comme organisation criminelle, directeur général Petit Bout de Temps PNH a annoncé qu'elle mettait dehors plusieurs policiers qu'elle considérait comme membres Fantôme 609 et même coup, lui tout passé pour un coordonnateur syndicat SPNH, Jean Elder lundi. Dans notre salle, qui peut être signé directeur général la petite bout de temps police nationale là, Léon Charles, institution la police dit condamné l'homme mort, policier Edmond, Mistal Pierre Richard, qui mourit avec balle, le groupe Fantôme 609 là, te point la rue, côté où tiré sous l'autre policier yo, et puis gagnons l'autre policier lui-même tout qui t'a blessé. En plus de condamner et condamner ça qui passe, yo condamné tout déclaration coordonnateur SPNH 17 là, Jean Elder le dit, qui était annoncé lundi passé pour gagner une journée noire. Donc, yo te mette projet yo en exécution d'après directeur Petit Bout de Temps PNH Léon Charles, qui fait qu'on est policier 509 yo, c'est au même cap créer des ordres dans le pays. Directeur général la Petit Bout de Temps Police Nationale là annoncé qu'il mettait dehors policiers qui identifiaient comme membre groupe Fantôme 609 là.
Plus loin, DGPNH l'a annoncé tout, l'a mette la justice derrière membre fantôme 509 pour usurpation de titre. Avocat syndicat police nationale pays d'Haïti, maître Jean-Fritz Samani, a également subi la loi directeur général Tibouta PNH Léon Charles. Contre SPNH 17 là, côté IOT arrêté là, dans la direction départementale l'Ouest, dans la police nationale là, dans Port-au-Prince, dans le moment, d'après le déposé une notification pour un mouvement planté piquette syndicat qui fait, journée mardi, 23 mars 2021. De l'autre côté, la police nationale pays d'Haïti mettait de yon, journée mardi, 23 mars 2021, plusieurs avis recherche contre 7 policiers qui t'a également membre groupe terroriste fantôme 509 là, d'après ça qui écrit dans page officielle en Facebook police nationale là, moun sa yo y a cherché yo tout côté pour yo arrêter yo accusé yo comme moun qui t'a impliqué dans crime assassinat avec détruit bien public tant que bien privé d'après ça institution en fait qu'on est. Moun sa yo, c'est Jean Elder Lundi qui c'est inspecteur et coordonnateur SPNH 17 là. Alexandre Pascal, Abelson Gouneg, ancien membre SPNH 17 là, Louis Lidner, Antoine Dario, Gerbi Geffra, ensemble avec Jules James Josué et l'autre encore qui t'a gagné avis recherche derrière yo. Quant à pour ça qui prélé Jules James Josué, la police nationale a précisé que c'est un ancien policier. Il était révoqué dans l'institution ça pour vol à main armée, assassinat, mettez du fait criminel, complot contre sécurité intérieure l'État. Individu armé ça yo, yo très dangereux et c'est yo fait partie d'un groupe terroriste qui porte nom Fantôme 509 qui a cherché yo quel que soit côté yo, police nationale a arrêté yo pour crime assassinat a détruit bien public tant que bien privé. D'après ça, la police nationale pays d'Haïti mettait dehors sur page officielle Facebook li. N'a pas rappelé, dans note qui datait lundi 22 mars 2021, direction générale de la police nationale a annoncé révocation tout policier Sayo qui est membre groupe fantôme 509 là. Avis recherche, la police mettait contre quelques membres dans le syndicat SPRA 17 là, li gagnait en pile illégalité la donne. Ces déclarations mettent André Michel. Homme de loi, dit prêt pour lui faire solidarité et puis entendre poursuivre pour mener dossier ça devant qui de droit, côté le promettre pour le mener là devant doyen tribunal première instance pas au président, maître Bernard Saint-Ville. Avocat militant souligné que SPA 17 là pas une organisation criminelle, mais plutôt un syndicat légalement reconnu cap défendre droit tout policier yo. Maître André Michel, la fait qu'on est, yon l'autre boss, c'est directeur général petit bout de temps PNH, là, Léon Charles, qui c'est yon ennemi pour police nationale, là. Nous parlons vite autant des déclarations, maître André Michel. Léon Charles fait toute bagaille pour craser la police. 12 mars 2021, il a massacré les policiers, il a assassiné les policiers du village de Dieu. Léon Charles n'a pas fait rien pour récupérer les cadavres, pour les familles enterrées dans la dignité. Il a un nid descend en balle, négocié à bandit pour le pont blindé. Deuxième bagaille, nous constatons. Léon Charles divise la police là. Il mettait All Black, il mettait Team Léon, il mettait Negval. La montée la police l'un contre l'autre. Il mettait chien, manger chien dans mi-temps la police là. Léon Charles a crasé la police là, l'a divisé la police là. Nous constatons Léon Charles pas fait rien pour défendre la dignité policier, pour défendre l'honneur. 17 mars 2021, un policier, il y aurait le Jean-Daniel Michel, il a assassiné. Pas de enquête qui fait. Pourquoi aucune enquête n'est faite? Léon Charles dit, policier ça, il était dans déchoucage, il était dans volet dans Universal Motors. Ça veut dire, objectif Léon Charles, c'est craser la dignité policier, c'est craser l'image de la police, c'est craser l'honneur de la police. Il n'a pas fait rien comme chef de la police pour défendre l'institution, pour défendre la dignité. Bagaille, ça a montré nous que Léon Charles n'a pas de place vraiment dans la tête de la police. Et si nous continuons, la fin craser la police. La net alcoolée. Jodi a, faut gen solidarité dans mitan policier. Jodi a, tout policier doit porter collé avec policier qui a subi répression syndicale. Tout policier doit porter collé avec
Jean-Yves de lundi, qui c'est coordonnateur SPN Haïti-Sel. Tout policier doit porter collé avec M. Maï, qui travaille dans des conditions difficiles pour le défendre syndicat. Tout policier doit faire seul, parce que l'objectif Léon Charles, c'est craser la police, craser l'institution, craser prestige, craser dignité institution. En tant qu'avocat, nous allons faire ce que de droit. Il y a des avis de recherche que la police mettait contre des membres du syndicat SPNH17. Ils mettaient avis de recherche contre Jean-Yves Delundi. Ils mettaient avis de recherche contre Kerbi Geoffroy. Ils ont décapité. Et c'est ça qu'ils veulent faire, oui. Ils veulent décapiter le SPNH. Ils veulent écraser, couper tête SPNH. Nous-mêmes, comme avocats, nous allons faire ce que de droit. Ce sont des avis de recherche entachés d'illégalité. Ce sont des avis de recherche émis en dehors de la loi. Ou pas capable de mettre avis de recherche contre des membres d'une institution syndicale. C'est des gens qui ont un domicile connu. Ce n'est pas des gens qui commettent infraction. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas kidnapping, ils n'ont pas commettre crime. Ou pas capable de mettre avis de recherche contre eux. Voilà pourquoi, avec M. Maï, avec les autres avocats constitués pour défendre les intérêts du SPNH17, nous allons attaquer par devant la justice ces avis de recherche qui ont été émis en dehors de la loi. Et je m'adresse à Maître Bernard Saint-Ville. Il est le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il est le juge de la liberté. À chaque fois que la liberté d'un citoyen est menacée, automatiquement, il saisit, il fait pour intervenir pour le capable de faire ce que de droit. Nous sommes des déclarations, Maître André Michel. SPNH 17, là, dit pas non fantôme en 509. C'est ça, il fait qu'on est, d'après précision, qui sorti dans bouche en porte-parole à syndicat police nationale, là, de Mont-Saint-Cyr, qui qualifiait Zach répression avec avis recherche, il mettait contre membre syndicat, en cours coordonnateur Jean Elder lundi, SPNH 17, là, dit lui inviter tout un policier, yo, pour garder calme, yo, et puis pour faire solidarité, dans l'idée, pour défendre intérêt institution, face à dérive, ou état-major, à mener. SPNH 17 l'a mandé soutien l'autre organisation non niveau international. Nous parlons vite autant des déclarations porte-parole syndicat police nationale là, policier Domon Saint-Cyr. SPNH 17, c'est une structure syndicale, une structure qui bien organisée et l'État haïtien va nous reconnaissance légale. Donc nous avons plein droit nous et nous c'est des vivants, nous pas des fantômes. Nous c'est monde qui est dans la structure SPNH là et nous c'est monde qui a boumé pour monde pareil. Et yo connaît tout qui côté pour rejoindre nous, nous en tant qu'institution. Yo révoqué les ovlés, yo mettez à vivre chez des moun les ovlés. Yo pas jamais voulu entrer dans la logique. Les que vous révoquez au monde, faut que vous ayez une reconnaissance légale. On prend pour faire connaître que vous révoquez. N'a demandé international là, tout syndicat dans le monde, pour yon camper avec SPNH 17. Pour yon gagner un regard sur ce qui a passé là dans le pays. La vie nous en danger. La vie Elder en danger. La vie Dario en danger. La vie et Jean-Pascal Alexandre en danger. La vie Gerbi en danger. La Gerbi Geoffroy en danger. La vie Antoine Dario en danger. Et la vie James Jules et en danger. La vie Luc Nier, lui en danger. La vie Maître Mani en danger. La vie moi-même qui l'a qu'à parler comme votre parole SPNH de Mont-Saint-Cyr, moi en danger. La vie Généon Montbrun en danger. Yo pas vle nous réclamer droit nous. Mais nous-mêmes, when campé jouer à une conférence de presse là, c'est parce que nous dit nous pas peur. Nous pas peur et nous pas champer. N'a pas campé pour une bataille. Policier pas contre peur. Policier pas contre peur. Nous pas peur. N'a pas réclamé droit nous. Nous en plein droit nous. Nous pas rien pour nous faire. Nous connaissons bien que Haïti, les signes une bonne convention. Les signes une bonne accord. Qui la dedans yo reconnaît structure syndicale n'a demandé yo si y a défend Haïti si yo c'est zami Haïti effectivement montrer ça fait un bagaille si un bagaille parce que nous mêmes nous en danger pendant que n'a défend douane nous pas jamais suspendre et pas rien qu'a fait nous faire bac sur ça nous pas faire bac pour rien au monde sous réclamation cadavre policier yo nous pas faire bac sous révocation, démission, arrestation alors, démission et arrestation pour tout le monde qui était dans
depuis la conception opération jusqu'à matérialisation, il faut que tout yo paye. Et pas seulement IG, Talanri Boucher qui vous paye, c'est pour yo tout yo paye, parce que yo tout est là. N'a dit yo, nous pas prendre ça dans mes sous aucun prétexte. Et n'a demandé avec population haïtienne pour yo camper défendre institution, camper pour défendre la police. La police n'est pas pour déchaîner un Charles, la police n'est pas pour président Jovenel, la police n'est pas pour premier ministre Jout. La police c'est pour moi-même, c'est pour petit tout, c'est pour nous tous, c'est pour la presse, c'est pour nous tous liés. Monsieur Pavli entre nos dynamiques pour gagner. Il y a la police indépendante. La police. Il y a la police. Il y a plus besoin de la police qui a toujours continué à faire mes mises sous lui. Il y a utilisé la défense politique pour faire répression. Il y a fait ça, il y a voulu. Nous soutenons les déclarations, porte-parole SPNH 17 là, Domon Cécile. Nous pour aller dans le département nos pays, c'est un bagou ambiance enchantée, revendicatif. Population dans première section communale Monde Rouge, commune en pleine du Nord, organisé un marche pacifique hier lundi 21 mars 2021. Objectif marche là, c'est pour demander libération à Jean-Soit Tim Luc Dor Pierre. Yo pas jamais entendu nouvelle li depuis après opération police là dans village de Dieu 12 mars passé. Plus détails à correspondant nous Jean-Claude Geoffroy depuis département Nord pays. C'est dans une ambiance chauffée mêlée à campile émotion. Population dans première section Monde Rouge, commune Plaine du Nord, organisé yo marche pacifique dimanche 21 mars pour demander autorité yo dans pays. Bayou Luc Dopierre, yon agent SWATIM qui se petit don nan qui disparaît depuis 12 mars passé dans l'opération Village de Dieu dans Port-au-Prince. Pendant tout parcours, protestate yo te défilé nan men yo ak photo Luc Dor ak pancarte qui te marqué plusieurs revendications. Certains nan yo te très critique te dirigé contre administration Jovenel Moïse la ak DG PNH la. Yo di ki complice nan disparition Luc Dor. Écoutez comment ça te dit. Qui te lui donne tort, c'est lui donne nous besoin, bon nous lui donne. Pas si marché, on est soldat comme ça, nous pas capable de faire nos conditions mal, comme ça, l'État ne veut pas dire rien. Quand on fait nous prochain, nous prenons nos policiers, écoutez lui donne, bon nous avons nous. En plus des parents, amis et voisins Luc Dor, marche la tigue la dan, policiers, militants politiques, opposition et organisation femmes sorti Monde Rouge et de prendre direction monument et aux indépendance dans Vertier, toujours dans notre site Ville au Cap Rivela. Militants politiques opposition ont décidé de transformer marche là en manifestation contre le pouvoir, côté au point décision rentrer dans cette ville là et aussi on est divers gris. Et c'est devant bio délégation noire marche ça te fini sans incident. Depuis Cap Haïtien, Jean-Claude Geoffroy, Pyramide FM. Merci en pile Jean-Claude Geoffroy. Fondation J'éclairé dénonce comportement groupe qui gagne gros âme nan men yo qui pote nom Fantôme 609 lan qui d'après ça dit ap travaillant pour capable permettre gagner yon suprématie force là sous pouvoir civil lan pour la force capable renforcer plus. Organisation qui mande tête li si la police nationale pays d'Haïti pas ap traverser nan question moun qui gagne rapport ak violence lan pendant le voyage te tout nan discours y a fait droit moun ak séparation pouvoir yo état de droit respect discipline ak hiérarchie nan mitan PNH lan droit pour moun gen propriété privée yo avec respect dignité tout moun. FJKL invité défenseur droit moun yo liberté, état de droit, valeur yo ak réflexion yo avant trop tard pour capable dénoncer comportement si là qui pas capable accepter dans pays. Nous parlons vite autant des déclarations membre fondation J'éclairé Marie-Hélène Gilles.
17 mars, yo débarqué dans la rue, y allé dans commissariat Delma 33, yo vandalisé, yo pillé, yo botté tout ça qui était jeune sous mes, yo cassé fenêtre, porte en vitre, y a la radio, puis des motocyclettes, etc. Yo allé dans garde à vue, yo crasé et cadenas, et puis yo ouvert porte garde à vue, yo mettait 4 policiers dehors, et policiers ça était en isolement sous compte inspection générale la police nationale là. Et l'autre retenu qui était dans commissariat, yo menacé aussi yo quitter cellule là, y a même sur ça, dans le aéroport, il passait dans Universal Motors qui sont concessionnaires machines. Ils ont pillé, ils ont incendié, ils ont menacé employés. Autoplaza, qui est dans la même zone, tout, qui c'est pour groupe, boulot, ils ont allé là-dedans, ils ont attaqué le tout. Alors que, pour te contrecarrer le mouvement, ça, ou tu viens de une gang, c'est mon peu, Léo, qui ont même tout rentré dans le mouvement, côté, ça arrive à bail, il y a des gens qui mourent. Même sur ça, dans la zone tabac 27, une motocyclette passée, il y a deux autres sur moto, il y a les armes, il y a les tirs. Bien, il y a qui mourit là ou là, lié les tissons. L'autre là, lui-même, il a couru l'hôpital en Saint-Marvel. 18 mars 2021, groupe Phantom 509 là, il prend la rue encore. Il saisit clé en pile machine, il a bloqué la rue, il a débarqué dans le commissariat quoi des bouquets, il a libéré un policier qui est le nausier la guerre. Policier ça, c'est dans la prison qui est lié sous compte la justice. La justice t'est reproché lui du fait que il y a un soupçon sous lui, sous la mort Jean-Ralph M. Kesnikier, qui est un enjeu lié le Keke qui a été touillé 200 fois dans la zone Tambor 27 devant un hôtel dans la zone ça. Fondation Jéclairé noté dans le discours Phantom 509, Jean yo a agi. C'est comme si Mdadou y a prôné la suprématie. Nous notons tout. Discours avec agissement Phantom 509, yo rejeté droit de l'homme, yo rejeté la démocratie, la séparation des pouvoirs, yo rejeté l'état de droit, le respect de la discipline et de la hiérarchie en dedans. La police là, yo rejeté droit au monde pour des propres. Nous soutenons les déclarations de Marie-Hélène Gilles, qui est membre de la Fondation J'éclairé. Protecteur citoyen, mettant Renan Edouville, dit saluer décision policière, qui te tourné volontairement dans ces lieux côté au fermé, après libération avec la force, m'a dit passé, côté gagné divers membres dans le groupe Phantom 509, avec un membre dans la population, qui était à libérer. Maître Renan Edouville qui parlait tout de action citoyenne, la loi avec la justice doit prononcer l'ensemble du temps sous son agent Sayo avec plusieurs autres prisonniers tout qui n'en prison sans yo pour que j'en parait devant juge. Nous parlons vite autant des déclarations protecteur citoyen et citoyenne, Maître Renan Edouville. C'est une note que nous titrons, l'OPC félicite les policiers qui ont regagné leur cellule d'isolement et appelle la justice à statuer en urgence sur leur cas. Donc nous-mêmes au niveau de l'OPC en tant que structure étatique qui a pour faire promotion protection des droits humains, nous voulons voyer félicitations non par les policiers SAO qui fait une action de citoyen côté que ils ont accepté volontairement, ils ont accepté volontairement de retourner dans ces lieux suite à un incident qui est arrivé mercredi 17 à jeudi 18 mars. Dans l'intervalle, nous-mêmes nous demandons à ce que la justice prononce sans délai avec célérité dans le meilleur délai sous cas policier Sao qui était en dans cellule, qui était sorti, qui était mis dehors et qui était accepté, qui acceptait retourner dans cellule. Nous demandons que l'autorité judiciaire qui sous dossier Sao, c'est autorité au niveau de parquet ou bien au niveau d'un tribunal, et bien pour décider sous somme, pour décider sous somme pour pas arrêter couper en dans cellule là. Et appel ça, nous lancer également à l'attention de tout l'autre monde qui a fait la prison préventive au niveau de tous les centres carcéraux, et bien pour autorité judiciaire, qu'on ait une responsabilité, et ceci au regard des instruments internationaux, pour que vous statuez sous cas un monde qui arrête ou bien détenu. C'est article 7, Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer. Donc, nous comprenons, nous reconnaissons que, par exemple, il y a un mot d'ordre de grève qui est lancé, mais nous-mêmes, nous t'a souhaité, au niveau des associations de magistrats, eh bien, que ont créé, ils mettaient sur pied une cellule d'urgence qui est capable de statuer sur des cas célèbres. Parce que l'inacceptable, l'inadmissible, l'illégal, pour que y ait des milliers de monde qui a fait la prison préventive, eh bien, qui coupent dans les cachots, des commissariats bien qui coupent. Nous soutenons les déclarations, protecteurs citoyens et citoyennes, maître Renan Edouville.
Nous pour aller dans département nord-ouest pays, hein. 5 monde kidnappés parmi eux, une nan agent exécutif intérimaire commune Bassemblé, hein, madame Rosier Milouz. Plus de détails avec correspondant nous Sergent Whiskis depuis département nord-ouest pays. Hein. Bandi Axab kidnappé environ 5 monde dans une section communale Bassemblé localité La Plata département nord-ouest. Parmi eux, une membre agent exécutif intérimaire commune, madame Rosier Milouz. Action ça passé dans la nuit 22 pour ouvrir 23 mars 2021, selon président agent exécutif intérimaire commune, monsieur Anthony Maliga, qui fait connaître. C'est qu'à section même, M. Jackson estima qui est informé sous sa kidnapping, puisque à sa route cherché Kazek l'entend couché fou qui était déjà mis de costumaron sous le maestra Anthony Maniga finit pour le dire, ben Dieu t'étais en pire affaire coup d'âme avant de mettre devant l'envoyé à victime. Maestra Anthony Maniga. C'est 4 mois jusqu'à 5 mois même, nous n'avons pas encore confirmé. Mais en attendant, nous disons environ 4 mois, nous kidnappés et première section, La Plaque. Donc jusqu'à présent, nous avons informé pour nous joindre qui côté on fait à Mondao, nous ne pouvons pas. Donc, quand c'est pas on a fait tout effort pour nous connaître ce kidnapping là, mais nous ne pouvons pas confirmer moi-même personnel. Parce que moi-même, je ne pas content. Oui, parce que ça passe. Le récit, ça passe environ 3 minuit. Donc, au contraire, même, je t'ai planté, et les gens disent, je t'ai planté pour Kaikazekla, leur film kidnappé Milouz. Et je t'ai planté pour Kaikazekla, bon. Mon, je t'ai déjà dit, il va prendre Kaikazekla, et il va montrer les qui Kazek, c'est Kazek Jackson. Je nomme non Jackson là-même. C'est ça, son dîme. En disant qu'il y a à minuit, il me dit, mais, si il y a 5 millions de cartouches qui tirent, alors on fait ça avec les cartouches. Tellement d'être tiré, pour ne pas sortir les délégués, les gourmands, pour être allés dans le biscuit, pour être fait fouiller dans cette machine, parce que c'est pas pire. Pour les gens, pour qu'on habite, et pour qu'on ça, ça, il y a une noire, et il y a une noire pour eux, et puis il y a quitté, machine va arriver en facile. Il y a quitté la machine dans la bouteau, ou bien il y a quitté le bandit, il y a quitté les sous la rue pour un champagne, vraiment pas où. Oui, je m'en ai précisé bien pour me d'abord, parce que moi, pas de maillon, et puis moi, pas connais, et pas cool, ça, neuf, parce que je connais. Bandit, je me dis, je vais route pour arriver dans le bandit, mais si tu as un élément qui a fait 4 ans, il y a kidnappé pas mal tout. Bon, monsieur, qu'on est à la équipe de Méria depuis le matin, là, la fouette qui est chargée capable de faire un contact avec Papa Li. Jusqu'à présent, excusez-moi, ça, il dit, pourquoi j'ai mis un contact? Mais il fait une balle avec là, il dit, pourquoi j'ai mis un contact, puis t'as avec Papa Li. Je joue un jour là, en gros, c'est 4 mondes, mais il dit, il y a l'autre monde, il est capable de kidnapper deux, pourquoi qu'on l'a eu, en parlant, il dit environ c'est 5 mondes, mais c'est 4 qui bien connaît, l'autre monde n'a pas bien connaît. La police dans l'Ouest, Radio Pyramide, est arrivé contacté sous dossier SILA, déclaré SDPJ déjà déployé dans la première section commune Bassemblé, zone La Plate, pour écrire information. On a fait remarquer ce premier acte kidnapping qui vivait enregistré dans l'Ouest depuis après, phénomène kidnapping ça, a fait le terrain dans le pays d'Haïti. La plaque pour les sections communales d'Assemblée département Nord-Ouest, c'est Jean Whiskis, Pyramide FM. Merci en pile, là, c'est Jean Whiskis. Grève magistrat au temps, mais 15 février passé, à poursuivre dans 18 juridictions pays. Autorité concernée, pour que jusqu'à présent, faire aucune intervention pour capable joindre une solution à un mouvement protestation. Ça. D'après ça, président Association nationale magistrat haïtien, M. Jean-Wilner Mourin, fait qu'on est. Pendant tout ça, avocat, yo fait qu'on est que l'association magistrat, a gagné pour chita parler pour capable arriver joindre un support, coup de cassation, pour capable faciliter grève la levée, qui visait parmi l'autre pour protester contre Zafé, mettre juge dans retraite là, avec remplacer 3 juges dans coup de cassation.
Nous allons inviter autant de déclarations, maître Jean-William Morin. Depuis 14 février, après les événements du 7 février, côté que il était possédé à arrestation de manière illégale, le magistrat mettait en prison, humilié magistrat. Ensuite, il y a eu deux décrets qui ont été pris. L'une qui c'est révocation trois magistrats, l'autre là c'est nomination trois lots de manière illégale et inconstitutionnelle. Et ensuite, il y a un greffier qui lui-même était fait travailler au niveau de tribunal pour l'instance de la Croix des Bouquets, que Yoté mettait en disponibilité pour des raisons que injustifiées. Nous autres, au niveau des associations, nous t'ai dit que c'est pas possible, nous demandait que nous retournions sous décision ça. Donc, ils pas attendu nous, ils pas jamais retourné sous décision eux, étant donné que nous-mêmes, nous sommes des syndicats, et syndicats lui-même, seuls outils les gains pour le combattre avec là, c'est la grève, nous t'ai obligé à entrer en grève depuis lors. Mais aucune institution, aucune personnalité, pas fait contact avec l'association, pas fait contact avec le fiscal, pour voir dans quelle mesure ils sont capables d'arriver, joindre une issue à la crise pour permettre que le tribunal recommence à fonctionner. Ils n'ont pas fait ça. Et ça fait presque un mois depuis que le tribunal, quand le président de la Cour de cassation, dans le discours le 8 mars, c'est fait qu'on est un de recevoir lettre des associations de magistrats et que l'Ipral adresse ses questions parce que l'Imen lui attaché avec questions légales seulement. Il va l'adresser lettre là, vous êtes capable de faire une réponse, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas besoin de réponse là. Nous espérons que bientôt, très bientôt, nous avons besoin de réponse là. Et c'est pourquoi les différentes associations ont négocié, ont discuté pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de parler avec la Cour de cassation pour nous connaître même dans quel niveau ils ont touché de questions, dans quel niveau ils ont considéré ça qu'a fait là et qui apport ils ont même capable de porter pour permettre que nous sortions de la crise. Hein, parce que figurez-vous bien, jusqu'au côté ma parole là, la police continuait à procéder à des arrestations parce que le monde continuait à commettre des infractions, prison à regorger le monde, et magistrats, c'est pas volonté, ils ont pas gagné le retourner travail, mais retourner travail, ils ont pas dépend uniquement de magistrats, ils dépendent tout de monde qui gagne direction via la main, qui pour eux-mêmes prendre des décisions en adressant les revendications des magistrats ou non. Sorti dans la situation côté nous, je dis. Nous soutenons les déclarations, président de l'association magistrat haïtien, juge Jean-William Morin. Nous parler dans le département sud pays. Yon morceau béton qui tombe sous yon banc crié yon situation panique dans le lycée Nicolas Geffra dans la commune Camperin à hier lundi 22 mars 2021. Selon le directeur lycéen, gain élève qui sorti blessé, mais c'était pendant le tap courri. Plus de détails à correspondante Rosebeth Adenestan depuis le département sud pays. Plusieurs élèves sortis blessés dans le lycée Nicolas Geffroy, commune Camperin, après-midi lundi 22 mars 2021. Incident arrivé après quelques morceaux de béton t'est tombé sous un banc dans une salle classe. Élèves qui t'est paniqué t'est tombé courir par-ci par-là. Selon directeur lycée Nicolas Geffroy, Pierre-Claude Derisso qui fait connaître c'est pas tremblement de terre mais plutôt c'est autorité l'état qui pas prend responsabilité qui fait situation s'arriver journée jodi a il est composé donc il y a un cale béton qui sorti dans un béton qui mal fait peut-être et qui se tombe sur un banc et puis tomber sur banc même côté a mes timon yo paniqué ça la gagne en école dehors l'autre salle suivi et puis tout gagne couri à la cour jusqu'à ce qu'il gagne tomber gagne chiasmatique on prend qui prend choc béton ça Faesté intervenu sur lui côté que Faesté aménager ça là mais les ingénieurs et qui là qui pour faire dernier check dernier contrôle sur travail que contractant que Faesté bail pour faire travail là et bien ingénieur pas d'accord travail ça je le demandé pour négo repenser refaire à travail ça parce que travail là pas bon. Juge de paix magistrat communal qui t'a fait déplacement dans occasion mandé responsable dans l'état pour capable former timounyo pour apprendre yo connait comment yo doit comporter yo si tout les gain tremblement de terre agent situation ça qui saute rivé là. Depuis ville local département sud Rosebeth Adenestan Radio Pyramide. Merci en pile, Rosebeth Adenestan.